Cet épisode a été rendu possible grâce au CNC et à nos partenaires. Un grand merci à eux. Tous bienvenue sur Backseat, Bonsoir, bonsoir le public. Merci beaucoup. D'être là, vous êtes merveilleux, bonsoir à vous, vous êtes très nombreux ce soir, ça fait super plaisir de vous accueillir, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en direct sur Twitch, vous êtes là, vous êtes avec nous, le chat, bonsoir à vous, bonjour si vous nous regardez en replay sur YouTube, vous êtes super nombreux et nombreux à nous regarder sur YouTube, et bonsoir et bonjour si vous nous écoutez aussi en podcast, là aussi vous êtes très nombreux et très nombreux, on fera un petit point là-dessus plus tard dans l'émission. Chers amis, ce soir dans l'émission Baxi, c'est une émission exceptionnelle, on va parler d'actualité, on va parler de politique, on va parler de beaucoup de choses, mais avant ça, un before un before sponsorisé ce soir, on est en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la France et j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Bruno Fuchs. Bonsoir Bruno Fuchs, bonsoir, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes député Modem de la sixième circonscription oui. du Haut-Rhin, membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale et surtout délégué général de cette Assemblée parlementaire de la francophonie avec qui on a le plaisir oui. de faire un partenariat ce soir. Bah, C'est très gentil à vous de m'inviter. Ben, merci vous... à vous pour ce partenariat. On va parler de francophonie du coup ça ce au soir. Début, ça, vu vous faites ce une... que vous voulez. Ouais. Si C'est ce pour vous foutre de ma gueule que vous nous que Non, ça Vous avez les trucs qui marchent. Au demeurant, vous auriez le droit. Voilà. Euh, parce que euh, on, on va parler de cette Assemblée parlementaire, mais avant ça, on va parler de la francophonie. De quoi oui. on parle quand on parle de francophonie on parle d'abord de l'espace dans lequel il y a 90 pays qui ont rejoint cet espace, dans lequel il y a un nombre important de locuteurs qui parlent le français. D'accord. Et à travers ça, une fois qu'on a la langue, on parle surtout de valeurs, de modèles de gouvernance, par exemple de liberté publique, d'état de droit, ce qui n'est pas le cas de tous les pays, quand on voit la Russie, quand on voit la Chine, quand on voit d'autres pays. On, on, ne, on ne vit pas comme ça, donc c'est aussi une, une façon de vivre, Alors, un la peu, façon de Parlez-nous un peu de cet espace francophone ouais. aujourd'hui. Où est-ce qu'on parle français dans le monde que Ça, ça partout, ressemble à quoi Partout ouais, euh, C'est une bonne réponse, ça arrive. Bah, je vais détailler. Allez-y, s'il vous plaît. Partout dans le monde. En Europe, bien ouais, évidemment. Ouais. On parle beaucoup en Afrique. Hmm. Grande majorité, le, le premier pays francophone, c'est euh, la RDC, c'est le Congo. Euh, c'est la République Kinshasa. du Congo. Oui, c'est ça. La République euh, démocratique du Congo. Du Congo absolument. Euh, son voisin aussi parle, mais ils sont moins nombreux, mais ils parlent aussi bien le français qu'eux. Que, que... Donc c'est le premier pays au monde en, en nombre de population. Voilà, il y a plus de 120 millions de, de personnes okay. et euh, il y en a un peu plus. Plus qu'en France, je pense qu'ils parle le français. On ne sait pas à l'unité près. Mais en gros, voilà le premier pays. Et puis après, on en retrouve également dans, dans le Pacifique. On en retrouve en Amérique, par exemple en Louisiane. On en retrouve en le Nouveau-Brunswick, etc. Voilà. Puis après, en Amérique du Sud aussi, on en retrouve beaucoup. Dans euh, quel pays en Amérique du Sud Argentine, Brésil, Chili, mmh. voilà, on en retrouve beaucoup. En 2018, le français, c'est la cinquième langue la plus parlée au monde, avec 300 millions de locuteurs. Ça représente 4% de la population mondiale. Une, un, un terrien sur 26 parle le français. C'est une langue euh, en déclin ou une langue de plus en plus parlée bah, C'est aujourd'hui la une langue qui est très euh, apprise. Il y a 120 millions de personnes qui apprennent le français dans le monde. Donc, c'est la deuxième langue apprise dans, dans le monde. C'est la deuxième langue de business, en tout cas, pour utiliser si un mot franco-anglais, franco dans, dans le monde. En revanche, on peut se poser la question de ce qui va se passer dans 10, 15 ou 20 ans. S'il n'y a pas un gros effort d'apprentissage du français, d'attractivité du français, parce qu'aujourd'hui, ce n'est ouais. pas aujourd'hui ce que. Je vois le public, je ne sais pas vers quel espace vous tournez. Peut-être plutôt vers un espace anglophone. On parle plutôt l'anglais, chinois peut-être euh, ou d'autres euh, langues. Donc il faut que, au-delà de la langue, il faut que cet espace il soit attractif, qui réponde notamment à la jeunesse. En Afrique, vous avez la moitié de la population en, en, qui a moins de 19 ans. Donc si vous leur parlez que de la langue de Victor Hugo, euh, c'est bien, mais c'est pas ça qui va mmh. intéresser. Intéresser, c'est d'avoir du travail, d'avoir une formation d'avoir aussi des libertés publiques voilà donc faut leur donner il faut il faut que cet espace francophone, il répond mais en quoi est-ce que, la est que la langue en quoi est-ce que la langue c'est un outil de pouvoir en quoi est-ce que la langue c'est un outil d'influence vous parliez tout à l'heure de euh, une langue qui véhicule des valeurs en quoi est-ce que le français véhiculerait des valeurs plus que l'anglais l'espagnol ou autre bon, chose il y, y a le français lui-même mais mais non mais il y a, a l'histoire qui lie l'ensemble de, de, des pays on a une histoire avec certains pays d'Afrique on a une histoire avec les gens qui parlent la même langue moi j ai, j ai, à la PF, la première fois que j'ai été j'ai vu un, un Vietnamien un Sénégalais qui se Jamais vu qu'ils sont embrassés parce que ils sont dans le même espace francophone. Ils partagent. Vous avez, on a signé une charte à Cotonou, on a signé une charte d'engagement, enfin les pays l'ont fait, dans laquelle ils défendent euh, l'égalité la, la, homme-femme, ils défendent la démocratie, ils défendent un grand nombre de pratiques aujourd'hui qu'on ne retrouve pas dans tous les pays. Et ça, ça crée des, du lien. Ce n'est pas la langue elle-même, c'est le fait de pratiquer cette langue ouais, je comprends. Qui, qui, qui crée de, du lien. Et c'est eng les engagements de ces pays-là. Quand vous parlez de l'histoire, j'ai vu quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui rappelait que l'histoire de, de la langue française en Afrique, c'est d'abord celui de la colonisation et de l'esclavage. Oui, c'est un, un vrai sujet. Je viens de faire un, un rapport justement sur les relations entre l'Afrique et la France à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Il y a la colonisation et il y a aussi la, 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 la liberté, le, les indépendances euh, également. Donc il faut faire le, le, le solde. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de ce sujet-là, la France a une, un regard qu'on doit porter vis-à-vis -vis de la colonisation et des indépendances. Et, et cette période-là n'est pas soldée. Il y a un gros travail à faire. Il y a encore. un énorme travail de mémoire Mais à faire, bien sûr, bien sûr. Euh, de, de reconnaissance. De cette... Par exemple, oui. au Sénégal, vous avez, je reviens du Sénégal, vous avez un nombre important de, de, de Sénégalais qui ont donné leur vie lors des guerres en France. Ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Euh, Parlez-nous de cette Assemblée parlementaire de la francophonie. Qu'est-ce que c'est que cette institution eh bien, C'est l'Assemblée qui représente toutes les assemblées nationales de tous les pays de la francophonie. D'accord, c'est voilà. aussi simple que ça. Oui. C'est un peu euh, d'accord. Donc il n'y a que des élus qui ici Il n'y a que des parlementaires, des élus, des parlementaires. Et donc les parlementaires, ce sont les représentants des populations. Donc quand vous avez des États qui euh, s'engueulent ou ne sont pas d'accord euh, entre eux, ben, les parlementaires, eux, ils continuent de parler. Ils font la diplomatie, ils continuent. Moi, j'ai la, la même façon de parler avec euh, mes, mes amis au Mali, euh, au Burkina Faso, au Gabon qu'avant. cest à ça n'a que... pas changé. On continue de se parler. Alors, les États sont, si les, les gouvernements États... se font la gueule, les parlementaires peuvent pas continuer forcément. à parler. Bien ça bien peut sûr. arriver. Bien sûr, bien sûr. Mais là, oui, bien sûr, j'ai discuté au Sénégal pendant long, long moment Sénégal avec un parlementaire exemples. malien et on regarde comment. Moi, j'habite Mulhouse et à Mulhouse, il y a une très forte communauté malienne. Hum. Euh, pas combien de, de dizaines de milliers de personnes. Voilà, il y a des mariages entre et français, ou entre malienne et, et, et français. Et donc, euh euh, voilà, ces gens-là ne l'arrêtent pas de vivre ensemble. Donc, ce n'est pas les États qui forcément décident des relations entre les individus. Et nous représentent les individus, les citoyens, les populations. Donc, c'est une assemblée parlementaire et comme dans toutes les assemblées, comme dans, dans l'Assemblée nationale française, il y a des commissions aussi à l'Assemblée la, de la Francophonie, euh, commission de l'éducation, commission de la culture, de la communication. Ça sert à quoi en fait cette, cette, ben, cet organe on, on, on travaille pour essayer de, de faire en sorte que dans les différents parlements, on puisse voter des lois. Qui favorisent la vie des citoyens dans leur pays. On a deux grands réseaux, un réseau des jeunes parlementaires, qui travaille sur la façon dont on peut favoriser la jeunesse dans les parlements et donc les sujets qui intéressent la jeunesse, mais on a aussi un réseau des femmes. Donc des parlementaires de, de femmes qui travaillent sur la reconnaissance dans les parlements euh, de, la, de, la, de la de la présence et de l'importance euh, des femmes. On vient de faire un, un séminaire en Côte d'Ivoire, un hein, autre au Sénégal, je si prends cet exemple-là, mmh. sur la capacité des femmes à mieux exercer leur euh, leur euh, fonction de, de parlementaire et être mieux plus plus influentes, justement dans l'espace dans, dans leur pays. C'est quoi la différence entre cette assemblée dont vous êtes le délégué général, je le rappelle, et l'organisation internationale de la francophonie, l'OIF eh Nous nous c'est c'est le Parlement, ce sont les parlements, et l'OIF, c'est les États, les exécutifs. Voilà, c'est comme un, le gouvernement et, et le Parlement. Voilà, c'est ça la différence. D'accord, très bien. Vous voulez euh... faire plus long ou... Non, 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 vous pouvez faire plus long, vous pouvez nous expliquer. Non, mais parce si, que... si vous avez compris, en... ça suffit. À non, 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 mais j'ai. Peut-être que vous n'avez pas compris. J'ai compris. Ça, ça reste intéressant. On va parler de cette, cette diplomatie parlementaire dont vous nous parlez depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est assez intéressant. On s'en rend peu compte. La France a un réseau diplomatique avec des diplomates qui sont sous la coupe du mmh. ministre mmh. De les, de, des Affaires étrangères et de l'Europe, qui lui-même est sous la coupe du Premier ministre. Bref, c'est l'exécutif, le pouvoir exécutif avec ses diplomates. Mais les parlements, eux aussi, jouent un rôle. Les parlements, eux aussi, peuvent dialoguer et ça peut permettre de régler oui. euh, des crises, ça peut permettre de régler D'accélérer de, des dossiers, des choses comme ça. Vous avez des exemples Le dernier exemple, il y a un coup d'État au Gabon. Ce n'est pas si vieux, ça a deux mois. C'est fin juillet, oui. Mmh. Voilà. Un peu plus, alors trois mois. Euh, les, les États, en général, condamnent les coups d'État parce que c'est un coup d'État fait par des militaires et donc c'est contraire aux constitutions. Donc les, les, les États condamnent les coups d'État. Nous, parlementaires, qu'est-ce qu'on voit au Gabon On voit une population qui n'est pas, euh, pas, pas respecté par un gouvernement dont les élections sont, se sont déroulées euh, depuis une trentaine d'années au Gabon sans vraiment que la population soit reconnue. En gros, les élections sont un peu organisées, arrangées, donc le résultat n'est pas conforme à la volonté euh, du peuple. Et en 2016, il euh, y a un candidat, Jean Ping, qui a gagné. Clairement, les élections, enfin, en tout cas. Euh, voilà. Et on a tiré sur lui, on a tiré sur son QG, on a eu tiré sur la foule qui manifestait parce que le résultat de l'élection n'avait pas été reconnu. Eh bien, il y a un coup d'État euh, cinq ans après, cette année, euh, six ans après, pour les mêmes raisons. Eh bien, l'État français condamne le coup d'État par, par définition, par principe. Nous... Moi, 15 jours après, je suis au Gabon, j'ai vu le général qui a fait le coup d'État, mmh. j'ai vu l'ensemble des partis de l'opposition, j'ai discuté avec beaucoup de, de jeunes dans la rue ou de, ou de, ou de, de Gabonais euh, comme ça que j'ai rencontrés, et je comprends que la population est très contente parce qu'enfin, ils peuvent s'exprimer librement, et ils le, ils le faisaient, et leurs droits sont, ont des chances d'être mieux reconnus, et la Constitution et les institutions d'être respectées. et bien, nous, on fait tout, on favorise pour qu'il euh, euh, y ait une transition rapide et qu'on puisse revenir à un État de droit où les Gabonais et les Gabonaises vivent librement. On l'a fait aussi en Guinée, par exemple. En Guinée aussi. Que, voilà, on a pas mal de dessus. On a été au Mali. Moi, j'ai été au Mali trois fois pendant les, les coups d'État, pour essayer de continuer à faire du lien entre les populations et faire en sorte que euh, les choses reviennent à la normale. Sur le Mali, c'est un peu moins bien tourné, bah, mais, oui. pour l'instant, mais, mais on continue de parler. Je ne vous ai même pas demandé, Bruno Fuchs, vous, vous êtes député du Haut-Rhin. Comment vous vous êtes retrouvé euh, délégué général de l'Assemblée la, de Parlementaire francophone. Ouais, beaucoup d'amitié de, 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 et d'affection de, 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 et d'intérêt pour euh, les questions africaines et francophones. Moi, à Mulhouse, euh, c'est une ville qui a 130 nationalités. Mmh. Donc, autour de ma permanence, je me suis installé dans un quartier très populaire. J'ai deux magasins de Djellaba. J'ai l'Amicale des Algériens. J'ai... Euh, le sushi euh, chinois, euh, voilà, etc. Donc il y, y a, ça, je, ça on constate tous autour de nous, je, on, oui, vit dans un, voilà. on vit dans un monde multiculturel. Eh bien, on reste pas entre Français. On vit dans un monde multiculturel. Mais quel regard qu ça vous donne, par exemple, sur les débats sur l'immigration qu'on a actuellement oui. Qu'est-ce que ça il vous a donne lundi. Non, mais le fait de voir, par exemple, qui a commencé à l'Assemblée nationale, mm -hmm. mais le fait de voir euh, que, le, que la France est un pays multiculturel, que le français est parlé par un nombre incalculable de personnes beaucoup plus en dehors de nos frontières qu'en France. Est-ce que ça vous donne un regard particulier sur des questions identitaires qui sont aujourd'hui de plus en plus au cœur du débat en Europe. Alors, il y a les questions identitaires, bien sûr, et il y a les questions également de mobilité. Euh, quand vous, vous allez dans un pays euh, principalement africain, la question des visas est absolument incroyable. Nous, on, nous donne des, on, on a une vision, nous en France, de, de visa de, on donne des visas dans une vision euh, d'immigration. Mmh. Or, un visa, ça va se donner dans une vision de, de rayonnement de la France et d'échange. Euh, nous, on se déplace facilement en Afrique. Les Africains ont beaucoup plus de mal à le venir. Et pas respecte... oui, le mais... fait que la France soit attrayante, c'est une bonne chose. Oui. Le fait que la France soit attrayante, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi faciliter le fait qu'on puisse venir en France facilement et qu'on n'humilie pas ou qu'on ne donne pas souvent, en manque de respect à des gens qui demandent le visa et, et, et qui ne l'ont pas et qui ne comprennent pas pourquoi on, ils l'ont pas. Donc ça, c'est un, un effort qu'on doit faire de, de, de respecter beaucoup mieux. Et, et cette vision-là de l'immigration, elle doit, quand on, on a une vision internationale de, de la France et d'échange de, 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 avec les autres pays, on doit le voir comme de la richesse. On ne doit pas le voir comme un, un flux migratoire. On doit le voir comme un enrichissement que d'échanger avec beaucoup de, de citoyens d'autres pays. J'ai vu quelqu'un dans le chat tout à l'heure poser la question de savoir est-ce qu'il y a des linguistes au sein de votre organisation. Est-ce que vous travaillez sur la langue en elle-même Alors nous pas particulièrement. Non. Nous on, on, on défend les, les, les valeurs. On défend. On, on essaye de faire en sorte que dans les parlements on puisse. On travaille sur la désinformation, sur la régulation des plateformes numériques, sur l'accès à l'eau, sur le code forestier. Enfin, des tas de sujets qui ont un impact direct sur la vie des populations. On travaille pas particulièrement nous, ça c'est plutôt l'OIF ouais. ou l'AUF, UF qui est la relation avec universités franco Oui, vous c'est vraiment le versant voilà. parlementaire. Nous, on est sur le volet oui. parlementaire et qu'est-ce qui bénéficie aux populations dans les textes de loi et dans le travail législatif. Est-ce que ça vous empêche d'avoir une vision sur la langue française, cette langue qui évolue, cette langue qui change Est-ce que vous avez, par exemple, quand vous voyez un débat surgir comme celui sur l'écriture inclusive, est-ce que ça vous fait réagir Oui, on a, on a débattu de l'écriture inclusive. Moi, j'ai créé dans ma circonscription un parlement de ma circonscription, donc qui est l'émanation d'une 150 citoyennes de ma circonscription. On a travaillé sur ce sujet, on a débattu sur ce sujet, oui, bien sûr. Oui. Vous oui, défendez sûr. une francophonie agissante ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit se projeter dans l'avenir. Si on dit euh, on, on, on est bien, on a été bien ensemble, tous les pays de la francophonie, on a été bien ensemble parce que la francophonie ça a été créé pas par des Français, hein, ça a été créé juste après les indépendances par euh, le président du Sénégal, par le président du Cambodge, par le président du Niger et le président de Tunisie. C'est pas les Français qui ont créé ça. Mais si on se dit la francophonie, c'est ce qui a existé, c'est un lien uniquement de la langue, de des choses qui ont existé. Bon, euh, je vois des des gens qui ont entre 20 et 30 ans dans la salle, ça ne va pas les intéresser. Ce qui va les intéresser, c'est se projeter dans l'avenir. C'est comment on répond euh, aux, aux défis de demain. Quel est le lien entre, entre nous tous francophones dans un monde de demain, pas dans le monde d'hier Et c'est ça le, 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 la francophonie agissante. On, on doit essayer de se projeter et de créer un lien. Euh, qui est un lien dans lequel on se sente bien, mais qui nous unit dans le monde de demain, avec des enjeux de demain, avec des enjeux sur l'environnement, avec des enjeux sur les libertés publiques, avec des enjeux de, de, de formation et d'emploi surtout. Comme que que vous répondez, j'ai vu, oui, vous parlez de l'Afrique, ben j'ai vu pas mal de personnes dans le chat mmh. euh, montrer plutôt une, une vision sur laquelle la langue française serait un moyen pour la France d'asseoir son pouvoir dans une vision néocoloniale. Qu'est-ce que vous en pensez ça La langue française peut-elle être le, le, le oui, fruit d'un néocolonialisme. Oui, ça peut, ça peut si on, si on le prend comme ça. Moi, je me déplace beaucoup en, en Afrique. Les gens sont contents de parler le, le français et de pouvoir se, se communiquer les uns avec les autres. C'est notre histoire. Et spécifiquement en français ou dans notre histoire. Langue... Pardon. Ah non, spécifiquement en français. Oui, parce que c'est notre histoire. Quand vous allez euh, en Côte d'Ivoire ou au Gabon, les gens parlent entre eux en français. Il y a tellement de langues euh, ethniques, en tout cas de langues locales. Qu'ils parlent entre eux en français, ils ne se comprennent pas autrement. Ça, c'est notre histoire. Qu'après, il y ait eu dans le passé, très clairement, une vision écoloniale et post-coloniale, et ensuite, une période de France-Afrique, oui, mais je pense qu'on est sorti de là. C'est à nous, maintenant, nous, Français, de donner les gages pour montrer qu'on est dans une relation égale à égale, une relation respectueuse et qui garantit les intérêts. Des, des deux parties. Vos collègues parlementaires avec qui vous discutez, ils se placent mmh. comment par rapport à vous Ils se placent en défiance Ils se placent en niveau d'égalité Est-ce que la France, c'est le grand frère de ces pays francophones d'Afrique Non, mais il y a une relation du passé dans laquelle on a été grand frère, parce que, bon, pour la raison que vous avez citée, mais, mais il faut qu'on arrive à sortir de là, et c'est à nous, Français, de donner des gages qu'on ne cherche pas à créer de l'influence, on ne cherche pas à faire de l'économie contre euh, les pays africains. Par exemple, vous allez dans la plupart des pays euh, d'Afrique, euh, il y a très peu d'entreprises de transformation. On a extrait euh, des matières premières, on les a importées, que ce soit les Chinois, les Américains, les Français. Alors, comme on est pays colonial, nous, on en prend plus que les autres, mais on, on a fait comme les autres. Et, et, et les erreurs qu'on a commises, par exemple, c'est de ne pas avoir euh, créé d'entreprises de transformation. Comprenez le, le mmh. cacao en Côte d'Ivoire pendant... Des décennies, on l'a importé, on a fabriqué le chocolat en Europe et on a réimporté ensuite du chocolat sur place. Aujourd'hui, on commence à faire d'entreprises de transformation. Donc, on a, on a des gages à donner pour montrer qu'on ne veut plus être dans cette relation. Et je, je pense que c'est quelque chose qui est possible de faire. Moi, ce qu'on me dit dans la zone francophone, on ne me dit pas qu'on n'aime pas les Français. Euh, on dit qu'on n'aime pas une partie de la politique française. Hum. Mais on me dit, moi, je, on aime bien les Français, on veut parler le français, c'est notre histoire, le, le français, sauf qu'on veut la France autrement, on veut, on veut la France différemment. Et donc c'est à nous, euh, Français, et, et grâce à mes, mes, mes collègues francophones, eux, ils me disent qu'il faut qu'on fasse, ils me disent les limites dans lesquelles nous, on doit euh, euh, se comporter pour qu'on ne soit pas taxé, justement, de vouloir faire de l'influence et d'utiliser la langue comme une étude un d'influence. je pense qu'on est sorti de ça mais comme on l'a fait pendant très longtemps mmh, euh, ça sur place bah oui on, a, on nous suspecte encore de, de vouloir le faire euh, le, le, en, vous parliez tout à l'heure de la langue française comme étant porteuse de valeurs par opposition à d'autres langues, comme par exemple la langue russe. Est-ce que vous pensez que la France est porteuse de quoi, du coup, de liberté, de démocratie C'est -ce peu... pas la langue elle-même, mais c'est le, le système politique ou de valeurs qui est porté par la langue. Ben, Aujourd'hui, clairement, quand vous êtes en Russie, il n'y a pas de presse. Les gens qui sont contre le pouvoir euh, russe, on les met en prison ou, ou même euh, quand ils sont pas assez discrets, on, on les assassine. Ben, clairement, je ne sais pas qui ici a envie d'aller vivre en, en Russie. Par exemple, le président de Centrafrique, qui a appelé Wagner et qui est protégé aujourd'hui par les Russes, il a ses enfants qui étudient dans les universités françaises. Ils ne sont pas à Moscou, ces enfants. Ils sont en France. Donc, on voit bien quand on a envie de vivre quelque part, c'est plutôt en France. Et, et quand on, a, on cherche de l'intérêt, certains se méfient de la France. Oui, c'est sûr. On va retrouver en visio Francis Drouin, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui est avec nous depuis la Chambre des communes du Canada. Bonsoir, Francis Drouin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il est quelle heure chez vous Il est midi 54. <laughs> Il est midi 54. Alors bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Baxi. Je le disais, vous êtes député à la Chambre des communes du Canada, au sein du Parti libéral du Canada, le parti de Justine Trudeau. Vous êtes le plus jeune président de l'histoire de cette Assemblée parlementaire de la francophonie. Ça représente quoi comme responsabilité pour vous ça représente je pense les mêmes défis que j'ai connus lorsque je suis devenu député euh, quand j'avais 32 ans donc on, on euh, je, je dis je suis bien entouré de la sagesse dans la francophonie vous venez de parler avec mon délégué général avec qui j'ai une très bonne relation euh, d'affaires et d'amitié et d'ailleurs je tiens de saluer euh, ce soir et euh, et pour moi être jeune président c'est c'est donner de l'espoir à la jeunesse je crois qu'il qu est important que les jeunes s'impliquent en politique et euh, en France vous aviez un bon système je 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 sais qu'il y, qu y a plusieurs jeunes sénateurs sénatrices et, et députés français que que je connais et avec qui euh, j'ai plusieurs relations mais même avec euh, d'autres euh, D'autres députés dans l'espace francophone. Et, et la langue, j'ai ent entendu le débat aujourd'hui, la langue me permet d'avoir ces échanges-là avec euh, des jeunes députés partout à travers l'espace francophone. Euh, euh, C'est quoi la situation du français au, au Canada C'est tout un symbole d'ailleurs que tu ne sois pas un français qui soit président de l'association la, euh, parlementaire de la francophonie. Pardon. Ouais, au Canada, bien sûr, moi, je suis, je suis député de, de l'Ontario, donc je ne, je ne suis pas du Québec. Je vis en situation minoritaire. Nous sommes 600 000 francophones en Ontario. Je suis habitué de me battre pour ma langue. On dit souvent qu'en Ontario, on choisit de parler en français et l'anglais, on l'attrape. C'est pire que la COVID-19. Donc... <laughs> euh, je, oui, le français est en déclin au Canada. Bien sûr, l'anglais. On vit en même le Québec et les francophones. Nous sommes 22 millions à parler, pas 22 millions, mais 10,5 millions à parler français au Canada. Et nous vivons dans une situation minoritaire en Amérique. Nous avons les Américains à côté. La culture américaine est quand même assez forte, pas seulement au Canada, mais partout à travers dans le monde. Donc, euh, nous nous devons de, de nous serrer les coudes ensemble, travailler ensemble. Et je tiens euh, d'ailleurs à saluer euh, l'ouverture du gouvernement du Québec à travailler euh, avec les populations francophones hors Québec, parce qu'il y, y en a plusieurs euh, partout dans les autres provinces. Ouais. Et euh, oui, nous sommes en déclin, mais nous, euh, nous nous battons. Nous nous battons, mais alors justement, vous vous battez, je ne sais pas contre qui, mais les anglophones de leur côté, comment ça fonctionne pour eux Est-ce qu'ils ont le même attachement à la langue que les francophones je dirais plutôt euh, dans le passé euh, les francophones hors Québec et les anglophones au Québec parce qu'ils étaient minoritaires avaient un attachement quand même euh, dans les cours judiciaires pour se battre justement pour leur protéger leurs droits au sein ouais. des écoles scolaires par exemple euh, pour vous donner un exemple mon père m'a souvent compté lui quand il était jeune il pouvait avoir il vivait dans une majorité francophone en Ontario avait 30 francophones dans la salle de classe le professeur était français, mais s'il y avait un anglophone, la classe devait se passer en anglais. Aujourd'hui, ah. bien sûr, on a nos conseils scolaires, on a nos classes en français. Donc, oui, il y a des groupes de revendications euh, au Québec qui, qui défendent la langue anglaise, mais c'est pas la même situation, euh, je dirais, que, que, que nous, les francophones. Les francophones ont vraiment un attachement à protéger leur langue, protéger leur culture. Et je pense que vous l'avez bien dit, euh, la, le français pour nous, c'est la défense de la liberté, les valeurs, euh, et au Parlement, diplomatie parlementaire aussi. Euh, plus, plus globalement, c'est quoi la position de la langue française sur le continent américain dans son ensemble? Vous dites que ça recule au Canada. Qu'est-ce qu'il en est aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il en est en, 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 en Amérique centrale et, et, et du Sud? Même aux États-Unis, je ne sais pas, mais il y a 2,4 millions de francophones aux États-Unis, 9,7 millions dans l'espace des Caraïbes, 2,8 millions en Amérique centrale et euh, du Sud. Donc, euh, j'étais en Louisiane euh, il y a deux mois. Euh, J'ai rencontré des francophones là. C'est un peu le, le, le créole, mais une, euh, la Louisiane avait quand même un attachement euh, ouais. avec la France par le passé, la déportation des Acadiens qui a eu lieu en 1755. Euh, donc, il y a des des familles encore qui, euh, qui parlent le français. Et, et, et il y a cette, cette espèce de, de revendication qui, qui est redevenue une renaissance un peu pour protéger la langue. Euh, les jeunes veulent être capables de parler à leurs grands-parents et veulent apprendre le français en Louisiane. Et ça, j'ai trouvé ça euh, quand même incroyable que même après, euh, on a sauté une génération, mais la, la, la plus jeune génération tient à vouloir parler à leurs grands-parents dans leur langue. Maternelle qui était le français à ce moment-là. Merci beaucoup, Francis Droin, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, donc d'avoir accepté de venir nous parler euh, ce soir dans le plateau en direct sur Backsit. Euh, merci à vous. Je reviens vers vous, Bruno Fuchs. Euh, Emmanuel, Emmanuel Macron, le président de la République, a inauguré son grand projet politique et culturel dans le château restauré de Villers-Cotterêts. 211 millions d'euros ont été investis pour ce lieu dédié à la promotion et à la défense de la langue française. Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé tout ça ben, On le saura dans dix ans. Si D'abord c'est bien Pourquoi parce que le château a été restauré, c'est comme euh, le château de François Ier, donc on a un patrimoine qu'il faut, euh, qu faut préserver en, en France. Et, et la réponse, euh, oui, il y a une vraie intention. Il faut que... C'est ça le problème de la, de la politique, c'est qu'on lance des idées, si elles ne sont pas mises en œuvre et qu'elles ne trouvent pas derrière un vrai impact. Euh, 5, euh, 10 ans après, parce qu'il faut du temps pour Donc on verra dans pas. 5, 10 ans. Oui. L'histoire jugera. Je pense que oui. Mais c'est pas... oui, c'est l'histoire. Non, si on est capable de mettre en œuvre le projet qu'on dit. C'est très facile. Je pense que c'est ça qu'on reproche souvent en politique. Moi, je ne suis pas un politique professionnel. Hein. J'en fais depuis 6 ans. Avant, je faisais autre chose. Mmh. Hein. Euh, J'étais dans la vie euh, normale, j'allais dire, euh, professionnelle. Euh, le problème, il est là. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont promis, qui ont fait des grandes annonces. Mais derrière, si on ne met pas en œuvre, et moi, j'ai été chef d'entreprise, il faut. Réaliser les choses. Si vous ne les faites pas, eh ben votre annonce elle sert à rien. Donc oui, c'est une belle intention. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Il faut que dans 5 ans ou 10 ans, il y ait des dizaines de milliers d'artistes qui sont venus ici, qui ont pu créer, qui sont rencontrés. Et si ça, ça marche, oui, ça aurait été une belle idée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de muséifier la langue française Non, je pense pas. On non. voit avec ce que vient de dire le président Droit, ça vit tous les jours. Et puis il y a des mots, des mots tous les jours qui viennent dans la langue française, voilà, qui sont issus d'autres d'autres cultures qui sont rentrées dans la langue française il y, a, il y a 10, 20, 30 ans ou encore plus et qui aujourd'hui, ça, ça, ça bouge tout le temps. Vous avez parlé de, 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 des cultures inclusives, il y a ça, mais il y a, il y a plein de mots qui arrivent tous les jours dans la, dans la langue française. Dernière question pour vous, il va bientôt y avoir un sommet international de la francophonie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça sert il bah, euh, y a plusieurs niveaux. Le, le sommet, c'est la rencontre des chefs d'État. Et donc, ils disent voilà, voilà ce qui se passe. Ils donnent des grandes, euh, des grandes orientations sur les deux ans ou, ou, ou trois ans euh, à venir. Et puis après, il y a tout ce qui se fait à côté. Il va y avoir pendant six mois euh, des expositions, des artistes, il va y avoir euh, le business aussi, puisqu'on cherche aussi à faire du, de l'activité économique, créer de la valeur. Euh, dans les pays francophones, on a besoin de créer des richesses, parce que notamment en Afrique, vous avez la moitié de la population qui, qui a moins de, de 18 ou 19 ans. Donc il faut créer des emplois. Et donc il y a toute la partie d'économie qu'il ne faut pas négliger. Et quand vous parlez la même langue, c'est quand même plus facile de faire une activité économique, de lancer une entreprise, d'embaucher des gens, les faire venir de l'étranger pour qu'ils travaillent avec vous, que quand c'est pas dans la même langue. Donc on a une facilité à, à créer de la valeur et donc à créer des, des emplois et donc du pouvoir d'achat. Pour euh, les, les membres de la, de la zone francophone. Merci beaucoup, moi Bruno Fuchs, d'avoir accepté de venir. Je rappelle que vous êtes député modem du, du Haut-Rhin et euh, délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Merci beaucoup, on va marquer merci. Petite, un merci petit merci. générique on se retrouve juste après. Merci.